Retrouvez chaque jour un épisode de l'Histoire de France avec diffusia.fr. Nous sommes le 17 juillet 1429. Charles VII est à genoux. À l'aide d'une baguette d'or, l'archevêque de Reims a prélevé de la sainte ampoule l'huile sainte pour oindre le dauphin. Il prend maintenant la couronne sur l'autel et la pose sur la tête royale. Que Dieu te couronne de sa gloire. Des grands seigneurs et chevaliers qui se pressent dans la cathédrale, aux humbles champenois qui crient leur joie sur le parvis, la liesse est générale. Le sacre signifie que la France n'a désormais qu'un seul roi légitime, celui que Dieu a désigné. Jeanne s'approche alors de Charles VII. Dieu voulait que je lève le siège d'Orléans et que je vous mène à Reims, recevoir son sacrement. Maintenant que sa volonté est exaucée, je ne vous appellerai plus gentil dauphin, mais sire le roi.